Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est deuxième cadeau, pas réellement cadeau mais en tout cas deuxième cadeau pour moi, pour vous ce sera presque pas un cadeau, alors je m'explique évidemment, je dis tout et n'importe quoi, j'ai déjà fait la première vidéo que je vais balancer, ce sera le feat avec Lil J qui s'appelle exactement Doremi, c'est ça? Doremi, je le passe vite fait. Doremi avec Lil J, exactement. Donc, évidemment, tout ça là, je vais cacher. Je vais juste teaser quelques petites images avant. Comme je l'ai déjà expliqué, je vais faire un peu plus court. Grâce à l'équipe de Centrinos, Raphaël, son manager, son équipe en tout cas, est venue à ma rencontre sur Instagram pour échanger avec moi et me faire pas mal de retours sur ce qu'il pensait de ma façon de faire sur les réseaux, sur ce que je fais, sur sa musique togolaise, sur ce que j'essaye de promouvoir, etc. Ils étaient hyper contents, donc ils ont décidé de me faire un cadeau pour remercier la façon dont je suis avec la musique togolaise et surtout Centrinos parce que je kiffe ce gars-là. Et il me régale à chaque fois, c'est un hitmaker. On se cache plus, c'est bon, hein, ce gars-là, il dépasse les frontières à chaque fois qu'il fait des sons. Il a plus de. Il a un autre level, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, en tout cas, ça m'a touché ce qu'ils m'ont dit. Et big up à son équipe. Déjà, Centrinos, Raphaël, merci à lui. Déjà, ça m'a grave touché. Et shout out à Hervé, il m'a grave régalé. On s'est tapé des barres quand il m'a appelé. En tout cas, force à son équipe. Beaucoup de respect pour ce qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé, du coup, d'écouter l'album en avant-première. Ils m'ont donné le lien pour écouter. Et du coup, bah. Le lien il est là, j'ai téléchargé, l'album il est là, il est dans ce dossier là et on est le 8 avril, je l'ai déjà eu depuis le 7 avril et l'album sort uniquement le 12 avril. Donc sûrement peut-être ils ont déjà dû donner à certaines personnes peut-être pour le promouvoir sur les réseaux, mais en tout cas publiquement il n'est pas sorti officiellement, il sort le 12 avril, il n'y a pas de tracklist qui est sorti, il n'y a pas de feat annoncé officiellement, il n'y a pas le nombre de tracks qui sont sortis officiellement et dans ce dossier-là, il y a tout dedans. Il y a les feats, les collaborations, le nombre de tracks, les titres et voilà, franchement, c'est un beau cadeau et on va se le faire. On s'est déjà écouté le feat avec Lil J Doremi qui est une tuerie et on continue sur cette lancée avec une autre collaboration. Donc déjà, du coup, l'album, l'écoute, je l'ai fait le 8 avril, mais je le sortirai 12, le 12 avril pour être dans la légalité le plus possible évidemment, même si j'aurais grave kiffé l'envoyer tout de suite juste pour être dans l'excitation avec vous, mais voilà, ça va être un peu compliqué parce que voilà, il faut respecter les labels etc, donc il faut respecter l'artiste parce que l'artiste aussi fait tout pour mettre une date en place, donc si quelqu'un sort quelque chose avant ça, c'est plus cohérent, tu vois. Donc voilà, en tout cas, on a hâte de pouvoir sortir ça le 12 avril. Et voilà, donc on va s'écouter un autre son en exclu, du coup, en avance. Et on est le 8 avril, du coup. Et on va s'écouter. Ah, frérot, il y a tellement de sons, mais j'ai pas envie de faire les solos. J'ai juste envie de faire déjà les connexions. J'ai envie de faire les connexions. J'ai fait le feat avec Lil J. Forcément, je vais faire le feat avec Cello, le feat avec Hiro. Et je vais checker peut-être Kingmansa et Emma. Et pff, le feat avec Goulam. Quelle tuerie, poteau, franchement. J'en ai encore des frissons, le fait de l'écouter, le compasso au milieu, là, comment ils rentrent les deux, la douceur, oh là 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 là, la technique sur la prod et tout, c'est trop lourd. On va aller checker, allez, Cetlo, parce que j'étais pas mal sur lui depuis un petit moment. Donc, connexion full togolaise, Azigbo, je sais pas ça veut dire quoi, mais vous allez sûrement me le dire, peut-être dans les commentaires. En tout cas, merci encore à son équipe de m'avoir fait ce cadeau et. Let's go, on va s'écouter. Que t'entends cette voix? Franchement, il est super bien mixé en plus. Oh. Franchement, sa voix elle passe trop bien. Eh Oubo, c'est là où t'as tous les fans. Eh Oubo de Cetlo, parce que franchement il régale ce gars.
Et ça fait plaisir qu'un gars comme Centrino s'il le ramène sur son album. Et franchement, belle connexion. Hein. C'est hyper bien maîtrisé, hein. Oh là là, franchement, les deux sons que j'ai écoutés, il y a une finesse sur la direction artistique, c'est ouf. Tu vois le flow, comment il est changé dessus. Qu'est-ce que ça veut dire à ce point? Je vais regarder le fait. Je ne trouve pas. Bon, 3 minutes 3. Ce feat avec cette loupe, franchement, il est bon. Il est bon à écouter. Je trouve qu'en fait, il y a une certaine finesse sur ce projet. En tout cas, sur les deux connexions que j'ai écoutées, que ce soit sur Lil G avec Doremi. Et du coup, ce feat avec cette lo sur Azigbo, dinguerie, franchement, lourd. Franchement, ça passe tout seul. Je trouve que franchement, ce qui ressort le plus, c'est la finesse. Je trouve que voilà, il y a pas, en fait, ça part pas partout dans tous les sens. Il y a pas du feu, tu vois. Ça part pas dans une atmosphère débordante, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment calibré. Il y a une finesse, il y a une gestion au niveau artistique qui est bien équilibrée. Et je trouve que c'est très très hitmaker, c'est collab, ça passe bien. C'est, je trouve, il y a franchement, c'est bien fait, c'est bien organisé, c'est intelligemment fait. La partie de cette low avec Centrino, après qui modifie son flow un peu à la fin, le tempo, c'est franchement, tu sens la direction artistique qui est bien ficelée avec ce titre. On va continuer avec d'autres titres, donc du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, ça promet de fou. Franchement, je me suis régalé. Et c'est les grosses connexions de cet album qui s'appelle Belle Vie, qui sort le 12 avril. Et voilà, je l'aurais écouté auparavant, voilà, quelques jours avant. En tout cas, merci encore à son équipe qui m'ont fait ce cadeau. Centrinos, Raphaël, Hervé, toute son équipe, franchement, c'est une dinguerie. Big up à eux. Et voilà, franchement, tu ris encore une fois. Tu peux pas dire que c'est mauvais. C'est bien fait. C'est. En fait, il y a une intelligence dans la construction musicale, que ce soit en termes des couplets, du flow, du choix de la prod, comment le tempo il est joué, etc. Il y a une finesse. Franchement, c'est hyper bien ficelé, c'est bien travaillé. Je trouve que c'est peut-être cet album qui va passer le level suivant. C'est logique en même temps, mais on dirait qu'il les fait comme ça, on dirait. On va continuer sûrement avec le feat avec Hiro. On va voir ça. En tout cas, voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce son. Dites-moi ce que vous avez pensé. En tout cas, pour les premiers qui auront écouté l'album à minuit sur les plateformes de streaming. En tout cas, nous, on l'a déjà écouté depuis le 8 avril. Je mets bien la date ici. On est bien le lundi 8 avril. Et l'album, il est bien là dans le dossier. On est en train de se le faire entièrement. Je vais écouter, peut-être pas entièrement, je vais écouter déjà les connexions, après on verra. En tout cas, ça fait trop plaisir. Et cette saveur de savoir que il n'y a pas tout le monde qui est dessus encore, il n'y a pas tout le monde qui se rue dessus, ça fait ce petit privilège évidemment que tu kiffes, forcément, ça fait plaisir et franchement, bravo à eux.
pour ce projet et merci à eux surtout. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.